Alors, je sais pas, va y avoir la conférence en streaming d'Armaggio, Arvi accette. Ornel. Vive Raphaël, Saint-Nicolas, à propos, faut qu'est-ce que je dois dire, vive Raphaël ou à propos? Ah, à propos, faut de Emmanuel Moon qui l'a vu des demandes en Suisse pour faire reconnaître la langue provençale comme une langue nationale. Confronter Julien, et voilà, c'est ça que je dois dire, pas confronter Julien, ok. Et bon, à fin des honneurs, ok. Autre message depuis Jacques Munir. Oui, c'était lui. À propos, faut dire à Manuel Meun qu'il a eu des demandes en Suisse pour faire reconnaître le franco-provençal comme une langue nationale et atteint. Voilà. Bon à fin des heures, ballet. Jacques. Voilà. Magnifique. Dis-moi si on peut commencer. Tout le monde est là. On y va. C'est bon? Alors, on peut commencer notre table ronde. Regard croisé, on a dit. Maintenant, c'est regard croisé sur la standardisation. On salue évidemment les gens qui sont présents dans la salle et aussi ceux qui nous suivent de la maison. OK? C'est bien. Alors, il y aura. Là, il y a du monde. On va lancer des idées. Et après, on va en discuter. S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous pouvez marquer à côté. Et si vous n'aurez pas de réponse après les six qui vont parler, on peut en discuter après. Si vous voulez ajouter quelque chose, on va encore en parler. Alors, on aura 10 minutes chacun. Au moment où il n'y aura plus que 2 minutes, vous aurez une petite image avec 2 minutes et un joli émoticon souriant. Au moment où il manquera un peu moins, vous n'aurez plus de petite image souriante. Il y aura un émoticon plus triste et enragé. Voilà que, alors, il y aura, après moi, Martin Jean-Baptiste qui est un professeur émérite, collaborateur au CNRS et conseiller pour la région Rhône-Alpes, vous me dites si je me trompe. On aura Jean-Baptiste, après Jean-Baptiste Martin, maître Raphaël, rédacteur du glossaire à Neuchâtel et coordinateur de projet et encore collaborateur scientifique au Centre de dialectologie et français régional. C'est correct? C'est bien, on aura Natalia Bichurina, collaboratrice sociolinguiste pour le Centre d'études de Saint-Nicolas. Inseline Marc-Olivier, Université de Hambourg pour tous ceux qui est langue romane. Et Manuel Meune, Université de Montréal. Maintenant, alors, regard croisé sur la standardisation. Quand je pense à standardisation, je pense à Dominique Stich, qui a eu le mérite, à mon avis, de rompre un certain silence à propos de cette question.
et qui nous a rappelé en quelque manière qu'on peut étudier la variation, oui, pour comprendre l'histoire et le passé et la société, mais aussi on peut étudier la variation pour trouver les points communs et imaginer le futur de la langue. Alors je crois que si on doit parler de standardisation en quelque manière, il faut passer aussi par Stich. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une nécessité pour les gens de valoriser les parlers locaux, mais il y a aussi la nécessité de faire passer un message plutôt qu'une prononciation, un contenu plutôt qu'une description d'une variante linguistique liée à un endroit précis. Ça nous porte à une réflexion, ça nous porte à penser qu'est-ce que ça veut dire transcrire, qu'est-ce que ça signifie écrire. Ça nous porte à imaginer une nécessité d'avoir une forme officielle. Je pense peut-être à Marc Brand et à ses nécessités, à sa lutte, si on veut, avec l'administration française pour faire reconnaître le franco-provençal. On peut penser à une place nouvelle pour le franco-provençal. On le perd de plus en plus, peut-être à un niveau oral, mais le franco-provençal gagne des places qu'avant n'avait pas. Je peux penser à une nécessité pour le franco-provençal d'image. Je pense au jour où je suis passé à la bibliothèque régionale et j'ai vu la section dictionnaire. À la section dictionnaire, il y avait toutes les langues possibles, même le russe. Mais il n'y avait pas de franco-provençal en Vallée d'Ost. Je pense. Est-ce qu'on a pensé que le franco-provençal n'était pas digne d'avoir son dictionnaire parmi les différentes langues? Évidemment, on va trouver le dictionnaire franco-provençal dans la zone Fonds-Val-d'Autun ou dans une zone un peu plus spécialisée, mais au milieu des autres dictionnaires, il n'y avait pas celui du franco-provençal. Et on a parlé de néolocuteurs. Que peut-on faire pour eux? Et s'il y a la nécessité d'une norme, cette norme va être stricte ou souple? Quel futur pour les variantes qui ne se rapprochent pas de cette norme? Est-ce qu'elles vont devenir des dialectes? Est-ce qu'on va penser négativement d'elles? Et souvent, en parlant de graphie entre guillemets phonétique, on a parlé, on a dit que les lettres n'étaient qu'un habit. Mais souvent, on donne aux lettres qu'on utilise une valeur sociale. Écrire et utiliser certaines lettres d'une certaine façon, ça signifie aussi parfois vivre et penser d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ce sont des idées que j'ai lancées et maintenant, on va tout simplement écouter Jean-Baptiste Martin. Bien, rebonjour. Donc, on nous a proposé le thème de la standardisation. J'ai réfléchi un peu à cette question depuis un certain temps. J'y réfléchis un petit peu pour préparer cette table ronde. J'ai quelques idées. Comme on nous a limité à 10 minutes, pour ne pas les dépasser, pour dire tout ce que j'ai envie de dire, je vais m'en tenir à mon papier, parce que si je parle librement, il me faudra 20 ou 30 minutes. Alors d'abord, question. Est-ce qu'appliquer au franco-provençal, le mot standardisation, est-ce qu'il est approprié? La question mérite d'être posée en raison de la situation actuelle de cette langue et de son devenir. Pour y répondre, il me semble difficile de me limiter à l'une des trois questions qui nous avaient été posées. Et pourquoi il est difficile? Parce que toutes ces questions sont complémentaires. Le mot standardisation laisse supposer que la langue en question est ou va devenir une langue officielle ou au moins une langue très importante. Je pense que ce n'est pas le cas pour le franco-provençal qui est partagé entre trois pays qui n'ont aucune ambition officielle commune pour lui. Je sais bien qu'il y a des démarches qui ont été faites en Suisse, mais malgré tout. En ce qui concerne les locuteurs, premier point, la plupart sont surtout attachés au patois de leur village.
et sont plus sensibles aux différences qu'aux ressemblances avec les patois d'à côté ou les patois d'un peu plus loin. Les locuteurs sont d'ailleurs peu nombreux en dehors de la vallée d'Oste, qui, comme l'a écrit Saverio Favre dans un article assez récent, est la citadelle du franco-provençal. De plus, le franco-provençal est encore aujourd'hui essentiellement une langue orale. Dans ces conditions, n'est-ce pas perdre son temps que de parler de standardisation ? Ne suffit-il pas de continuer à faire ce que font les dialectologues depuis longtemps, à savoir enregistrer tout ce qui peut être recueilli auprès des patoisans ? Ma réponse est non, car il me semble important de donner un avenir à cette langue qui nous est chère, qui nous est chère à tous. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici il y a 2 ans, je crois que cette langue, comme beaucoup d'autres, peut avoir un avenir comme langue des racines, comme langue du cœur. Dans un monde globalisé qui dépersonnalise, le local redevient une valeur appréciée. Les sociologues ont d'ailleurs créé le mot hybride « glocal » pour désigner ce phénomène nouveau. Comme le franco-provençal ne reviendra pas la langue du quotidien qu'il a été dans le passé, il ne peut survivre que s'il apporte quelque chose que les autres langues officielles de nos pays, l'italien par exemple ou le français ici, ou la langue de la mondialisation, l'anglais, qui infiltre peu à peu nos entreprises et nos circuits commerciaux. Je crois que c'est par la culture et par l'enseignement qu'on pourra au moins en partie sauver cette langue. La création culturelle assure du prestige à la langue. Une des raisons du déclin du franco-provençal, mais c'est vrai aussi pour d'autres langues bien sûr, est le mépris dont on l'a affublé, notamment au niveau de l'appareil scolaire. Si par la création culturelle, cette langue redevient appréciée, les locuteurs l'emploieront plus volontiers, les grands-parents qui le parlent auront peut-être un peu plus envie de le transmettre à leurs petits-enfants. L'apprentissage au niveau scolaire, au niveau périscolaire, au niveau associatif se développera s'il y a une demande un peu plus grande. Parmi les secteurs culturels qui me semblent porteurs, il y a la littérature, il y a le théâtre, il y a la chanson, la création culturelle. La chanson qui doit retrouver une nouvelle jeunesse avec des groupes dynamiques et souvent jeunes, comme c'est le cas ici au Val d'Ost, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est aussi le cas en France. Internet peut être un élément important pour l'avenir du franco-provençal, car il peut faire connaître à grande échelle les créations culturelles, comme d'ailleurs les outils d'apprentissage. Je crois que nous n'arriverons pas à assurer un avenir au franco-provençal si nous ne conjuguons pas nos forces et nos efforts. Comme je l'ai écrit dans un texte très récent, c'était pour la fête du franco-provençal à Yverdon, il faut que nous regardions plus loin que notre clocher, que nous soyons plus sensibles aux ressemblances entre nos parlers qu'à leurs différences, et que nous donnions à l'extérieur l'impression que nous partageons vraiment une même langue, même si celle-ci présente des variations importantes, variations qui, je le souligne, méritent, doivent être conservées. En ce qui me concerne, je ne crois pas que nous puissions établir un standard unique et je n'y suis pas favorable. Je ne crois pas que les Valdotins ou les Suisses ou certains Français apprécieraient de remplacer leur patois par un autre qui serait par exemple le parler de la partie centrale de l'aire franco-provençale. À coup sûr, une telle entreprise aboutirait à démotiver les derniers locuteurs qui ont reçu cette langue de leurs parents. Je crois que l'avenir du franco-provençal doit s'envisager à partir de la situation actuelle de cette langue et de sa variation, pourvu que soient respectées les principales structures phonétiques et grammaticales qui la caractérisent. Cela veut dire, et c'est l'objet du 2e point de notre table ronde, qu'il n'y a aucun intérêt de créer une seule norme et même à créer des normes régionales.
je crois que, même à l'intérieur du Val d'Aoste, les habitants de certaines vallées ne voudraient pas qu'on leur impose le parler d'une vallée un peu plus lointaine. Vous devez commencer à vous dire, mais Martin, il est contre la standardisation. C'est un dialectologue uniquement attaché à ses isoglosses, comme le sont tous les dialectologues. Effectivement, mon long passé de dialectologue m'a appris que pour une langue comme le franco-provençal, on doit tenir compte des grandes différences qui la caractérisent. Mais mon expérience récente de conseiller scientifique de la région Rhône-Alpes, qui m'a conduit à fréquenter le monde politique et les associations et à rencontrer les responsables des autres langues régionales de France, ce passé récent m'a permis de réfléchir aux conditions nécessaires à la survie du franco-provençal. Une condition importante pour la reconnaissance de cette langue à l'extérieur du cercle des franco-provençalistes est de mieux montrer son unité. Pour favoriser l'unité du franco-provençal, nous pouvons commencer par agir dans deux directions, les néologismes et la graphie. Comme vous le savez, les mutations extrêmement nombreuses et fortes qui se sont produites, qui se produisent et surtout qui vont se produire, eh bien, et dans de nombreux domaines, bien sûr, ces mutations ont condamné ou condamnent une grande partie du vocabulaire ancien et le remplacent par des emprunts. Si déjà nous nous mettions d'accord sur l'ensemble du domaine franco-provençal pour employer le même mot en le revêtant, lorsque cela est possible, d'un habillement phonétique franco-provençal, nous ferions déjà un grand pas. Il me semble utile aussi d'avancer sur la question des graphies. Cela est d'autant plus important que l'avenir est au numérique, qui n'a pas de frontières, et au culturel, qui ne doit pas se contenter au micro-régional. Si je ne suis pas favorable à la création d'un standard unique et artificiel, je suis en revanche favorable à la mise au point de ce que Lamuela a appelé une orthographe englobante dans son article publié dans le récent bulletin de ce centre. Son titre s'appelle « Avantages et difficultés, une orthographe englobante pour le franco-provençal, avantages et difficultés ». Je suis heureux que ce grand spécialiste des graphies ait écrit qu'il partageait mon point de vue. Je suis favorable à la mise au point de principes graphiques communs qui respectent la diversité qui caractérise nos parlers franco-provençaux. Cela facilitera le partage de productions culturelles et la création d'outils pédagogiques. Et je pense que tout à l'heure, notre ami Bron parlera de ce que souhaite le rectorat de Grenoble. Sous l'égide de ce centre et du CIF, une petite équipe a commencé à travailler à l'élaboration de principes graphiques susceptibles d'être employés dans l'ensemble du domaine franco-provençal. Et tout à l'heure, tu as rappelé le travail qu'a fait Stich. Ces principes s'appuient sur les graphies de nos grands auteurs franco-provençaux depuis Marguerite Douin et rapprochent nos mots des écrits des autres langues romanes. Je crois que si nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de points, nous ferons un grand pas et la famille franco-provençale apparaîtra plus unie. Je précise qu'il n'est pas question de remplacer les graphies qui existent de type phonétique. Elles remplissent un rôle qui est irremplaçable et par contre, elles sont plus faites, me semble-t-il, pour décrire nos parlers que pour faire de la littérature ou du théâtre à très grande échelle. Les deux types de graphies, pour moi, sont compatibles, sont complémentaires et il faut, bien sûr, les conserver. Bon, je crois que j'ai dépassé, donc je m'arrête là. J'aurais pu parler encore un peu, mais je ne veux pas. Et alors, on passe la parole directement à Raphaël Maître. Merci, Jean-Baptiste. Merci. Donc, la question est de savoir une standardisation pour qui, n'est-ce pas ? Voilà, alors ça c'est tout de suite une question qui est un petit peu délicate parce qu'elle implique potentiellement qu'on va standardiser pour quelqu'un et donc pas pour quelqu'un d'autre. Et donc tout de suite on se demande si on va standardiser donc, pour les patoisans,
ou pour les dialectologues, ou pour les historiens, ou etc. Et puis ça, ça nous divise a priori, sauf si on considère que tout un chacun peut être amené à être actif dans un rôle ou dans un autre en fonction des jours, etc. Et on peut être un jour dialectologue et un autre jour patoisant, par exemple, pourquoi pas. Et donc, on pourrait compléter la question, une standardisation pour qui, quand ? C'est-à-dire pour faire quoi, dans quel contexte ? Et ça reporte la question au niveau pragmatique. Alors, ça, c'est une chose. Donc, si on veut standardiser à une échelle petite, donc locale, alors on agira d'une certaine façon. Et puis, si on veut standardiser à grande échelle, globale, c'est peut-être à ça qu'on pense en premier, on fera autre chose. Alors, ce qui est important, je pense, c'est que dès qu'on commence à vouloir exprimer par des symboles une langue, quelle qu'elle soit, on commence à standardiser. Dès le moment où on dépasse, par exemple à l'écrit, on dépasse une graphie spontanée qu'on utiliserait un jour ou occasionnellement. Voilà. Dès qu'on veut établir une systématique, là, on commence à standardiser. Alors, on peut tout à fait standardiser à un niveau local. Et là, on sera porté à, on va être porté sur, en particulier sur la phonologie. On va, par exemple, développer des graphies phonologiques, mais ce faisant, on standardise dans la mesure où la variation est infinie, les idiolectes ont des systèmes phonologiques différents, et puis ces systèmes phonologiques sont ouverts aux patois voisins, sont ouverts à, on l'a vu ce matin avec le « che » du français qui entre tout à coup dans un système phonologique alors qu'il n'y était pas. Donc ça, c'est un type de standardisation tout à fait légitime. Pourquoi on voudrait le faire ? C'est, comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure, pour montrer le fonctionnement d'une langue par opposition au fonctionnement des langues voisines, parce que c'est ça qui fait aussi l'identité d'une langue. Les patois étant, quelque part, les langues au sens clocher, c'est-à-dire au sens saussurien, du mot. Un système où tout se tient, ça marche au niveau du patois. Qui veut le décrire sera condamné à le standardiser, donc à le trahir un petit peu. Donc c'est en faire un concept, en fait, quelque part. Alors maintenant, si on se reporte au niveau global, ça marche aussi, c'est-à-dire que standardiser, pourquoi on le ferait ? C'est aussi pour en faire un concept, pour en donner une image et pour définir par rapport à ce qu'il n'est pas et pour pouvoir en parler. Alors, pourquoi est-ce que le franco-provençal est si absent des librairies, mais aussi, plus généralement, c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore tout à fait conçu comme une réalité existante et l'absence d'un standard et notamment d'une graphie universellement reconnue, si cela est possible, lui fait défaut. Alors là, je voudrais vous montrer un exemple de ceci. C'est l'embarras des dictionnaires du français lorsqu'ils veulent expliquer un mot français par le franco-provençal. Parce qu'il y a des mots du français qui viennent du franco-provençal. Comment font les dictionnaires pour en rendre compte? Ils sont très embarrassés. Voilà. En voici un exemple. Le mot « harole » du français, qui désigne une espèce de pain. Le petit Robert, en 1993, « harole » qui vient du franco-provençal, le petit Robert disait « d'un pré-roman arrois » et fait complètement l'impasse. Voilà, comme ça, il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin de se poser la question « est-ce qu'on va dire franco-provençal »« Est-ce qu'on va dire autre chose ?»« Mais quoi ?» Et puis, comment on va rendre compte de cet étymon proche puisqu'on n'a pas de graphie pour le dire.
Le petit Robert illustré de 2018 n'a pas changé, sauf qu'il a oublié qu'il s'agit d'un mot reconstruit. Et le dictionnaire suisse-roman prend l'autre biais, qui est de dire du patois à Rolla ou à Rolla. Et là, alors voilà, donc on n'a pas pris franco-pensal, on prend patois, et puis on donne un type patois, en fait, qui se trouve être celui qui fait type, donc sous lemme, dans l'article correspondant du glossaire des patois de la Suisse romande, qui est donné en référence bibliographique de cet article dans le dictionnaire suisse romand. Voilà, donc on a en fait franco-provençal a échappé. Et le trésor de la langue française, voilà, lui, il se sert de la géographie en disant terme de la Suisse romande, voilà, mais de quelle langue elle n'est pas nommée. Alors qu'on pourrait dire du franco-provençal à Rolla, comme ceci, graphié comme cela ou graphié autrement. Et pour cela, il faut que le franco-provençal soit reconnu comme une langue par celui qui en parle, à savoir ce dictionnaire, les dictionnaires, et puis qu'il y ait une graphie pour exprimer les types lexicaux du franco-provençal. Ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre de ces deux conditions ne sont totalement remplies actuellement. Un autre exemple, c'est le mot ferra qui désigne une espèce de poisson. Et là, voilà, le petit Robert se sert de ce dont se servait le trésor de la langue française pour l'autre mot, mot de la Suisse romande, etc. Robert de 2018, que je viens de consulter, bien sûr, même chose, il n'a pas changé. Et puis le TLF, lui, alors là, il remonte à l'histoire et paf, il ne nomme pas tout à fait encore une langue, mais une occurrence qui date donc, du XVIe siècle, 1558. Et il tourne autour du pot en disant emprunt au dialecte de la Suisse romande. Alors qu'on pourrait dire du franco-provençal ferra, probablement d'origine pré-romane, si le franco-provençal, on le conçoit comme une langue et qu'on peut se le représenter, le présenter sous forme graphique. Simple. Autre exemple, le glacier. Glacier, alors, c'est clair que glacier, c'est un mot de la famille de glace quelque part. Donc, le petit Robert simplement dit que ça vient de glace. Et par contre, le TLF précise qu'il s'agit d'un emprunt au franco-provençal glacier. On remarque le trait d'union qu'on va qualifier d'archaïque. Toutefois, aussi dérivé de glace. Voilà. On pourrait dire du franco-provençal glacier ou glacier, disons, dérivé de glace. Etc. Et voilà, donc... voici à quoi... Si on regarde ce que fait le Wiktionnaire, on voit qu'il y a un besoin. Le Wiktionnaire essaye de pêcher à gauche, à droite. Et puis parfois, le franco-provençal est nommé, un peu maladroitement. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a un réel besoin de notre point de vue à nous, mais aussi du point de vue de tous ceux qui s'intéressent non pas seulement au franco-provençal, mais aussi au français, ou aux langues, ou à la langue, pour un représentant, en tout cas graphique, du franco-provençal et pour la reconnaissance facilitée du franco-provençal en tant que langue grâce à cette image que serait cette graphie. Et pour vous donc convaincre que le franco-provençal n'est pas encore vraiment considéré comme une langue, on voit que Robert définit franco-provençal comme l'ensemble des dialectes français de la Suisse romande, de la Vallée d'Aoste, etc. Et que le TLF le définit comme mieux, donc, comme l'ensemble des dialectes parlés en Suisse romande, etc. Donc il ne s'agit plus de dialecte français. Mais que si on va regarder les définitions du mot patois, aucun rapport n'est établi entre les patois qui sont les réalités linguistiques, donc les langues au sens saussurien, constitutive de la langue dialectale qu'est le franco-provençal, on ne le trouve pas dans le dictionnaire et ici, sous franco-provençal, il n'y a aucune référence au patois non plus. Donc là, il y a aussi quelque chose à faire et si le franco-provençal, après 150 ans de sa découverte, n'est toujours pas reconnu par les dictionnaires du français en général, eh bien, c'est peut-être parce que le franco-provençal ne s'est pas encore tout à fait assez montré et une standardisation, une graphie pourrait y contribuer en tant qu'image de cette langue sans que soit niée
la réalité des multiples langues que sont les patois et qui la constituent.